On ne s'est pas trompé de bâtiment, a priori. Par contre, il va falloir nous laisser à présent. N'y vois rien de personnel, mais notre discussion va concerner l'avenir de l'humanité. Et il n'est pas question qu'une étrangère, même pas capable de décliner sa provenance, y participe. Quoi, tu n'es pas contente? Tu voulais parler à Hermès, je me trompe? Dans ce cas, libre à toi de lui tenir la jambe aussi longtemps que tu voudras, mais seulement une fois que nous en aurons terminé. Sa présence ne me pose pas d'inconvénient. Mais, Hermès, on ne sait même pas à qui l'on a affaire. Météion semble beaucoup l'apprécier. À mes yeux, c'est la meilleure preuve de son honnêteté. Qui plus est, je serais moi-même plus à l'aise en présence d'une tierce personne. Comme tu voudras. Tu as intérêt à te tenir à carreau, sinon... Alors, ça y est. Oui, Fan Daniel a démissionné, et tu es favori pour lui succéder. Compte tenu de ton parcours exemplaire et de l'étendue de ton bagage scientifique, le Concile serait largement favorable à ta candidature. Il a néanmoins jugé bon de m'envoyer sur place, moi qui ne te connais pas, afin que j'évalue tes compétences en toute impartialité. Et surtout, afin que je te pressente au poste. J'ai ouï dire que l'actuel Fan Daniel et toi étiez bons amis, aussi bien au travail qu'à la ville. Ce qui ne serait pas étonnant, sachant qu'il a lui aussi dirigé cette institution par le passé. Il t'a forcément confié à un moment ou un autre son désir de quitter ses fonctions, donc tu devais t'y attendre, n'est-ce pas ? Oui, il disait souvent vouloir me passer le flambeau, une fois ses projets professionnels achevés. Non pas que ça me regarde, mais cette nomination n'a pas l'air de te réjouir outre mesure.
Ça te déplaît à ce point de devenir l'un des 14 ? Non, non, là n'est pas le problème. Je suis honoré que le Concile m'ait choisi. L'offre est presque trop belle pour le simple chercheur que je suis. En fait, c'est plutôt la démission de l'actuel Fan Daniel que j'ai du mal à accepter. Si j'ai bien compris, il va retourner à la planète. Il m'a semblé entendre que c'était son intention. Du reste, c'est ce qu'ont fait la plupart des démissionnaires du Concile des 14. Retourner à la planète, ça veut dire mourir ? Tiens, c'est rare d'entendre ce mot. Quasiment personne ne l'utilise d'ordinaire. Serait-ce une coquetterie de langage propre au personnel d'Elpis ? Rappelez-vous, nous sommes la volonté de la planète. Si elle est un organisme, alors nous sommes ses cellules, et notre énergie vitale, le sang qui coule dans ses veines. Notre rôle d'humain est de la cultiver, tout comme nous nourrissons nos corps et les voyons grandir. En l'embellissant, nous assurons le bonheur de toutes les créatures qui y résident. Chacun de nous a appris, pensé et construit à cette fin. Ce faisant, cet astre jadis inhospitalier est devenu ce havre de calme et de volupté que nous chérissons tous. Nous l'avons façonné tel qu'il est aujourd'hui, et il est donc de notre droit de pouvoir y retourner quand bon nous semble. Quand une personne a vécu pleinement, qu'elle a accompli tout ce que lui dictait sa vocation, cette décision finit par s'imposer naturellement à elle. Ainsi, les derniers instants d'un être sont toujours empreints d'une grande beauté. C'est la norme, y compris au sein du Concile. Beaucoup estiment même qu'il est de notre devoir de retourner à la planète une fois notre mission achevée. Plus qu'un simple travail, c'est l'œuvre d'une vie dont il s'agit. Et il n'y a guère que quelques excentriques pour penser le contraire. Donc, la démission de Fan Daniel te dérange. Peut-être estimes-tu qu'il n'a pas assez servi notre cause ? Pourtant, tu n'ignores sans doute pas qu'il est le père de nombreux concepts particulièrement brillants. Et qu'il a notamment mis au monde quantité d'espèces animales inédites tout au long de sa carrière à Elpis. Je suis évidemment au courant de tout ça. Simplement, je suis partagé à l'idée qu'un grand homme comme lui, quelqu'un de versé dans les arcanes du vivant, choisisse de couper court à sa propre existence. Je l'ai contaminé avec mes doutes. Ce n'est pas pour te congédier, mais pourrais-tu emmener Météion prendre l'air quelques instants ? Ça lui fera du bien. Thank you.
Thank you.